Tu es l'alpha et l'oméga. Je m'abandonne dans tes creux de ta main. Utilise ma personne, fais-nous du bien. Parle à chacun d'entre nous. Utilise-nous, Seigneur. Utilise ma personne plutôt pour nous restaurer cette nuit, pour nous délivrer, pour nous guérir, parce que nous savons que c'est toi qui es l'auteur du miracle. Nous te bénissons pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que là où il y a les là est la liberté. Merci pour la délivrance que tu nous accordes cette nuit même. Merci pour les mutuels miracles. Merci pour la manifestation de ta présence. Nous te rendons toute la gloire. On dit Amen. Amen. Je vous présente Jésus et on l'acclame plus fort. Je vous présente Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Dis à quelqu'un, Jésus est merveilleux. Dis à quelqu'un, Jésus est merveilleux. Reviens avec ton bébé. Qui connaît cette dame? Le vendredi passé, elle avait une grossesse de 10 mois. Sa grossesse faisait 10 mois. Elle était juste arrêtée dans la rangée. Quand Dieu m'ouvrait l'esprit sur sa grossesse, et je l'ai conduite ici, et j'ai commencé à prier pour elle. Effectivement, quand je touchais le ventre, le bébé ne bougeait pas. Sa grossesse allait jusqu'à 10 mois. Et en principe, elle devait mettre un Mongolien au monde. C'est quoi les petits cris bizarres, bras, c'est quoi ça? Ça symbolise quoi? Non, mais vous devez enlever cette pratique. Quand vous avez la douche, ça peut être bloqué une douche. Il peut s'assurer.
C'est vous qui apprenez la pratique du fétichisme au bébé. Même il n'y a pas vieux. L'enfant est bien, non? Non. Ok. Ok. Amen. Amen. Moi, je savais qu'il allait tenir ce bébé ce vendredi aujourd'hui. Oui. Nous, nous sommes habitués au miracle. Ouais, nous sommes habitués au miracle. Je savais que ce vendredi, je tiendrai le bébé comme ça dans ma main. Oui, parce que c'est un miracle de Dieu. Il a la voyage. Je ne suis pas trop habitué à prendre le bébé. Je vois trop l'enfant trop mou dans ma main. C'est une fille. Vous avez vécu la scène la dernière fois. Amen. Vous avez vécu ça en direct. Ici c'est du direct. Amen. Nous sommes habitués au miracle. Tous ceux qui étaient là, ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu sur la vie de cette fille. Amen. Amen. J'ai ordonné au bébé de venir. Dieu dit 9 mois et toi tu fais 10 mois, t'as quel problème? Dieu dit 9 mois et toi tu vas jusqu'à 10. J'ai à quel problème? Viens. Et le bébé est revenu. La gouttière était bloquée mystiquement. Elle était dans la foule. Quand Dieu m'ouvrait l'esprit ici, parce que Jésus-Christ avait quelque chose encore à faire. Et nous bénissons le Seigneur pour ce bébé. Amen. Je vais donner un nom au bébé. Amen. C'est un nom hébreu. Hébreu, il veut dire bonne nouvelle. Bessora. Bessora veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Voilà, j'ai dit. Nous vivons un témoignage ce matin. Les 3-4 heures du matin. Elle s'appelle la prisonnière Bessora. On y est, le Bessora. Elle est rentrée dans votre vie pour vous apporter le bonheur. Oh oui, elle vous apportera le sourire. Elle sera surdouée. Intelligente. Elle sera intelligente. Elle sera sourire. Elle sera obéissante. Parce que le fondement, le commencement est important. Nous allons la dédier au Seigneur. Pour que l'Esprit de Dieu s'empare d'elle. Les gens, quand ils mettent les enfants au monde, ils les confient aux esprits. Aux esprits des ancêtres. Aux esprits des rivières, aux esprits des eaux. Et puis à la longue, les enfants ont des problèmes. Ils disent carrément, on va laver l'enfant. C'est quel eau qui peut rendre. On va le laver. Vous constatez que l'enfant devait sortir, chercher à manger. Il vous regarde, il va vous manger sauce plate. Sauce plate. Il a envie de vous manger. Désormais, ce bébé sera animé par l'Esprit de Dieu. Quand Jésus est né, on l'a présenté au temple. On l'a présenté Jésus-Christ au temple. Et généralement, ce sont des bonnes choses qui sont attaquées. Pour moi, le bébé devait naître en semaine. Pourquoi? Parce que prophétiquement, cette nuit, je vais prier pour ceux qui n'affrontent pas. C'est un symbole.
Il fallait que je tienne ce bébé à main pour vous montrer que vous allez bientôt enfanter. Et j'attendais la nouvelle. J'attendais la nouvelle et quand le pasteur m'a fait un testo, il dit le miracle. J'attendais cette nouvelle. Bébé, je suis convaincu que le bébé devait venir. Et le pasteur m'a envoyé. Je dis, ben tiens, il faudrait qu'on envoie l'enfant. Nous allons le présenter au Seigneur. Et même temps, c'est un geste très fort. Parce que ton ventre va procréer tout à l'heure. Le miracle va se mettre en marche. Le miracle sera parfait tout à l'heure. Mais ce n'est pas une question de ta foi. Moi, c'est ma foi. Dieu sera à l'œuvre tout à l'heure dans ta vie. Il sera puissamment à l'œuvre. Alléluia. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce jour. Amen. Amen. Le miracle est possible. Il est très possible en Jésus. J'ai dit aux gens, si Jésus faisait pas de miracle, moi j'allais jamais me convertir. J'allais jamais aller à l'église. Un Dieu qui ne fait pas de miracle, je ne peux pas le suivre. Je suis désolé. Je ne suis pas un Dieu qui est mieux. Au moment où tu l'appelles, il t'abandonne. Au moment où tu l'invoques, il te dit. Moi je prie un Dieu vivant. Parce que Jésus fait un miracle. Que je le suis. Nous allons tous nous tenir debout. Et nous allons présenter ce bébé au Seigneur. Demander au Saint-Esprit de conduire la destinée de ce bébé. Nous prions ensemble, Seigneur. Nous ouvrons la bouche, nous prions. Nous voulons te confier ce bébé. Notre Dieu, toi qui es le Dieu de miracle, tu es puissant et vivant. Nous te rendons toute la gloire. Merci, notre Dieu. Merci d'être venu pour nous. Nous te rendons toute la gloire avec sa mère. Venez, viens ici. Nous prions aussi pour la famille. Dans la sagesse, l'intelligence, de pouvoir éduquer l'enfant. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci. Nous honorons le Saint-Esprit. On vit la destinée de ce bébé. J'ai décrit déjà dorénavant tout ce qui devait être obstacle. Nous vit la destinée au nom de Jésus-Christ. Je salue que l'Esprit nous bénissons aux parents. L'intelligence et la sagesse, la santé, la longévité, la prospérité. Merci, notre Dieu, au nom de Jésus, que je prie. On dit Amen. Amen. Désormais, son nom, c'est Bessora. Seigneur Bessora. Vous, en tant que parent, vous devez l'éduquer. Arrêtez vos histoires de guerre, mauvaise bouche. Dieu est en train de faire quand il a main sur un bébé. Cette pratique bizarre de l'Afrique, c'est ça qui nous met en retard. Si c'est pas la main de Dieu. Voilà, donc arrêtez ce genre de trucs. Si vous habituez à mettre les choses, les enfants selon sont habitués à prendre les amulettes. Et que laisse selon Dieu. C'est Dieu qui protège. C'est lui qui bénit. C'est ça que vous savez, désormais qu'on se convertit, qu'on devient chrétien, notre village, c'est la Bible. Parce qu'on est trop. On aime trop l'esprit traditionnel, la tradition. Or, quand on est converti, nous mettons de côté la tradition. Nous cherchons à marcher selon la Bible. Amen. Amen. Selon la Bible.
Quand vous voulez poser un acte, vous devez réfléchir. Est-ce que c'est selon la parole de Dieu? Est-ce que c'est selon les principes de Dieu? Tout cela c'est important. Et moi, il m'a dit, on dit amen. Voilà, éduquer l'enfant selon Dieu. Arrêtez vos histoires de trucs. Le Seigneur conduit à qui l'homme. C'est en ce moment. Amen. Amen. Voilà, c'est Bissoura. Voyez Bissoura. Qui veut dire la bonne nouvelle. Moi, la nouvelle. La bonne nouvelle. Il y a le mot pour lui. Ça va, tu es content? Je suis très content. Hein? Je suis très content, plus que le mot content. Il dit plus que le mot content, c'est intéressant dans tout ça. Ça veut dire quoi? Plus que le mot. Moi, je suis tellement content qu'il ne savait pas ce qui était dit. Comment le miracle s'est produit? Papa, vraiment, le jour où vous avez fait tirer pour nous ici, quand nous sommes arrivés à la maison net, au même soir, en tout cas, elle a issu. Vous avez un problème. La Bible dit la fin d'une chose. Vous voyez que ça commence. Quand on commence, vous acclamez. Donc, papa, il disait toujours que vraiment le même jour. Oui, c'était le samedi dernier. Oui, samedi passé. Samedi passé. En tout cas, quand nous sommes arrivés à la maison net, le miracle s'est passé au même jour, nuit. À 22h. Ah, attends. Le même samedi? Le même samedi. À 22h. La prière vendredi. Non, oui, René, mais la prière matin. Voilà. Moi, je suis arrivé à 4h-5h du matin. Voilà, je suis arrivé à 4h-5h, je crois. C'est le même samedi. Le même samedi. À la maison.